Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carrion. Alors au dernier épisode, on était arrivé dans la centrale nucléaire et je vous avais laissé sur un passage où on avait affronté des lance-flammes bien chauds. On avait réussi à les buter et on était retourné en arrière pour sauvegarder. Donc maintenant il va falloir... Voilà, donc je pense que on était venu là surtout pour ce... S'il veut bien l'activer. J'arrive pas à le voir. Voilà. Donc ça nous ouvre. Ok, ça nous ouvre le passage en bas. Parfait. Let's go. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme saloperie qui va nous tomber dessus? Ok, on peut faire le truc qui pousse. Et on peut faire les pics aussi quand on est en mode vermisseau. C'est intéressant. Attends, on peut passer là ou on peut passer en haut? On va essayer là en premier pour voir. Alors, ok, ouais, non, ça je peux pas. Ah, mais attends, je peux pas passer, mais je devrais pouvoir prendre le contrôle peut-être de quelqu'un. Non, c'est trop loin. Ça m'étonne pas. Par contre, du coup, on peut passer là et probablement aller par ici. Ok, donc ça nous emmène. Hé. Oh, il me tire. Mais j'hallucine, il me tire dessus! Ok, le truc des épines, là, ça a été vachement utile. Ah, attends, on va essayer de passer là-haut, déjà, pour voir où ça nous mène. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il y avait forcément un truc pour déposer la biomasse pas loin. Parce que là, on peut faire... ça. Nickel. Ce qui nous permet d'aller activer ça. Donc, ça fait baisser l'eau dans ce réservoir. Est-ce que ça le fait monter dans le... Non. Ça l'a pas fait monter dans l'autre. On va aller reprendre notre biomasse, je pense, parce que déjà, j'ai pas beaucoup de vie. Voilà. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Parce qu'on n'est pas allé voir. Ok, je peux pas sortir par là et je peux pas sortir par le tuyau non plus. Donc, on est obligé de passer par ici. Donc, oui, je peux repasser comme ça. Ah non, pas du tout. C'est pas là qu'il faut aller. Vous êtes mignon, mais en fait... Ouais, je peux pas passer. Ça, ok, ça referme, ça remet de l'eau partout. Mais ce qu'il me faut, c'est de l'eau ici, moi, en fait. Pour pouvoir passer là, parce que sinon, je vois pas... Ça, je peux pas l'activer à distance. Clairement pas. Celui-là, il est pas réactivable. Ok. Attends, si on repart par là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ça m'étonnerait. Non. Ça, je peux rien faire, je peux rien faire. D'accord, donc c'est certainement pas là qu'il faut aller. Si je dépose ma biomasse, mais je vois pas trop l'intérêt, pourquoi je déposerais ma biomasse? Ou alors ce qu'il faut... Oh... J'ai une idée. Donc... Oui, si, si. Non, c'est ça, va là. Ok, j'ai une idée. On va voir si elle est juste. On se met là. On contrôle le monsieur. Debout. Voilà. J'adore. Oh putain. Et on peut passer. Super! C'est cool. Attends, on peut passer par... Ben, on va aller là. Et on sauvegarde. Nickel. Putain, c'était pas mal de devoir revenir comme ça. Donc j'ai mis le mec là pour être sûr de pouvoir le contrôler, parce que vu que souvent il y a une portée au contrôle, on préfère être sûr. Il y a personne par ici. Putain, c'est quoi ces étoiles derrière? C'est la vue de l'extérieur, mais on dirait qu'il y a des... montagne au loin. Ouais. Bonjour. Je sais pas, je prends le contrôle pour voir. Ah, et du coup, ça me permet de me téléporter, forcément. Ok, donc on va aller... Alors,
Ok, donc ça c'est bon. C'était efficace. Ah, attendez. On peut pas passer par là-haut. Ok, donc on peut faire ça. Non. Merde, ça l'a buté? Non, ça l'a pas buté. Parce qu'en fait, il faudrait que je prenne le contrôle du mec, mais quand il est là. Mais en même temps, je prends le contrôle du mec, ça me sert à quoi de prendre le contrôle du mec? Il y a un gars encore en vie là-bas. Ok. Ouf. Méfie-toi. Ok, donc ça, ça me permet d'aller au... Bonjour. Ah, nouveau... Produit un vortex de harpon charnel, tirez les objets vers vous lorsque vous les rétractez vos tentacules. Ah, c'est ça. C'est ça, ça nous permet d'arracher ces trucs-là du coup maintenant. Super. Cool. Ah, attends, je voulais juste... Ouais. Non, là, c'est... Attends. Non, mais là, il faut pas que je tire, il faut que je pousse. Voilà, donc je peux faire ça, effectivement. Mais ce truc-là, il faut qu'on le pousse, il faut pas qu'on le tire. Mais par contre, j'ai plus le truc pour foncer. Attends, si je redescends... Oui. Ah, mais c'est fermé ici, maintenant. D'accord. Ah, mais attends, je sais. Ok, on a un troisième niveau, j'avais pas vu là-haut en rouge. Donc il faut que je revienne là, que je passe en jaune. Là, je peux foncer là-dedans, redescendre, reprendre le rouge. Et maintenant qu'on est en mode rouge... Putain. Voilà, et on peut se faufiler jusqu'ici. Ouais, ça nous emmène à quoi tout ça? Ça nous emmène où déjà là-haut? Ok. Donc il nous permet de nous faufiler dans cette espèce d'immense truc. Ça nous renvoie en bas là. Ok. C'est un nouvel endroit ça non? On peut reprendre la biomasse, oui. Et c'était le quatrième. Parfait. Ok. Bon alors attends, du coup comment est-ce qu'on va l'affronter ce truc? Ah bah en passant directement en bas, ça marche aussi. Ok, ils sont deux. Et il faut les éliminer a priori. Donc on peut sortir par là ou on peut sortir par là. Ouais, ça c'était pas l'idée du siècle. Alors je peux du coup juste revenir là et le remplir, mais je sais pas, je pense du coup que ça doit les réinitialiser, non? Ah, mais on est tellement gros qu'ils peuvent me tirer dessus après, quoi. Non, mais... Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Et merde. Est-ce que... Avec le truc à envoyer, je trouve que ça marche bien, mais... Putain, mais on est trop gros, il va nous... il nous tire dessus quand on est derrière, quoi. Ah, attends, je peux pas utiliser le... Si. Non, mais bute là. Ah, putain, j'arrivais pas à l'attraper.
Donc comme ça, en fait, je peux attraper le truc et tirer ça, le désos, en fait. C'est génial. On va essayer dès qu'il va passer en dessus. Non. En fait, il fallait pas que je sorte. Je sais même pas pourquoi je suis sorti. Bon, au moins, on a un endroit où on a un point de sauvegarde. On se demande pourquoi le point de sauvegarde était là. On se le demande. Non, mais ne sors pas, nom de Dieu! Putain! Il peut pas me tirer dessus à travers là, non, je crois pas. Donc on devrait pouvoir juste... Ouais. On peut juste genre cibler. Mais pourquoi il sort ce con? Il m'énerve. Ah mais parce que ça tire le truc. Ça tire. Et forcément ça nous fait sortir en fait. Voilà. Donc en fait c'est bon, j'ai trouvé. Ce qu'il faut que je fasse c'est que il faut que je tire la gâchette vers le bas. Pour qu'il reste en... Putain. Non mais c'est ce truc là qu'il faut manger. Voilà. Je tire la gâchette vers le bas tout en faisant le truc. Et comme ça, ça permet vraiment de tirer le truc à moi et pas moi de me tirer vers eux, en fait, j'ai l'impression. Du moins, enfin, c'est l'impression, peut-être que je me trompe, mais... Oh, on est à un truc radioactif, là, non? Pourquoi il y a des gens armés dans une centrale nucléaire? Peut-être parce qu'il y a des gros monstres bizarres. En fait, ce qui est pas évident, c'est d'arriver à trouver où se trouve notre gâcheuse. C'est l'endroit où on interagit. Parce qu'on est tellement gros... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des radiations. Alors je pense pas pouvoir faire quelque chose de plus là-haut. On peut pas traverser par là. Ouais, il faut insérer le noyau. D'accord. Ça m'a fait un peu mal, mais ça va. Vu la créature qu'on est, je vois pas en quoi ça nous dérangerait de... la radiation. Ce truc, ça va exploser, dites-moi. Il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Alors, s'il nous fait remplir la jauge... Ouais, mais on n'a pas débloqué encore le pouvoir associé à la jauge de cette forme-là. Ok, on a déjà tué des gens ici. Ok. Est-ce que je dois aller... Hop, non. Ah, oh merde. Parce que... Ouais, ça c'est fermé. Oui, ok. Ça nous a ramené là où on était, c'est ça? Oui. Parce que cette fois-ci, on peut... Voilà. Arracher ce truc-là. Ok. Là aussi, il va falloir qu'on prenne a priori le noyau. On fasse gaffe. Voilà, parfait. Est-ce que ça va ouvrir la porte du coup? Oui. Regardez-moi cette masse immonde. Quoi. Parfait. Succès déverrouillé, ionisé. Ah, apparemment, on a été ionisé dans cette centrale nucléaire. Ok. Donc, contaminé à 66%. Donc on peut passer par là pour ressortir. On peut passer par là ensuite pour rentrer. Ok. Oui, enfin c'est pour revenir dans le niveau, j'imagine, un truc dans le genre. Du coup, maintenant qu'on a débloqué des nouveaux pouvoirs, on devrait pouvoir faire des choses par ici. Est-ce que je peux... Non, ce truc-là, je peux rien y faire pour l'instant. Ok. Si on repart dans ce coin pour voir. Qu'est-ce qu'on avait par ici déjà? Est-ce que... Non, celui-là c'était pour rentrer dans la centrale justement. Ça c'était fermé. Ah, attendez, on va repartir en haut à gauche et sur la gauche parce qu'il me semble qu'il y avait des trucs là-bas. Ouais, il y avait ce passage-là. Non, on peut rien faire ici, toujours pas. Le complexe de guerre. On peut pas y accéder en passant par là du moins. Ça je peux rien y faire, j'ai pas besoin d'énergie. Mais il doit nous manquer un pouvoir en fait.
Je sais pas trop comment on peut... Non. Ok, il me dit qu'il y a quelque chose par là-bas en bas. Alors peut-être qu'il faut qu'on redescende ici. On repasse par là? Est-ce que nos nouveaux pouvoirs nous ont débloqué un passage par ici? Oui. Ok, ça nous permet de descendre par là. Alors on peut déposer notre biomasse. Ah bah oui, il faut déposer notre biomasse. Comme ça on pousse ce truc. On doit aller récupérer la biomasse. Comme ça on peut tirer celui-là. Nickel. Alors, où est-ce que ça nous emmène ça? Loin, d'accord. Alors, où est-ce qu'on est là? Oui, non, c'est bien ça. Ok, donc du coup, l'eau est bel et bien remplie très très haut du coup. Attends, je peux remonter encore? Ah oui, non, mais l'eau remonte bien comme il faut jusqu'ici. Mais là, on est au QG Science Release. Je sais pas pourquoi, je crois pas que ce soit par là qu'il faut qu'on aille. Je me trompe peut-être. Mais je voudrais quand même aller voir... Non, mais là-bas, je crois qu'on connaît déjà, si je dis pas de bêtises. Oui. Ça doit pas être par là qu'il faut aller. Si on va plus bas... Non, ça, ça nous emmène nulle part... Ça, ça nous ramène, je crois, là où on était il y a 2 épisodes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le jardin botanique, c'est ça? Ouais. On doit pas être par là. Ça, c'est fermé. Où est-ce qu'on doit aller? Attends, là, c'est là où on était, non? Leviathan Reef Base, oui. Ouais, on venait de péter ce passage, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, attends, c'était quoi ça déjà là-haut? Ok, bah, il y a de la biomasse à moi dans le coin. Oui, celui-là, je m'en rappelle, c'est là qu'on avait dû passer en invisible la première fois. Oui, ça me renvoie là où on était. Bon, je tourne un peu en rond là. Ok, alors j'ai un truc sur... Par là-haut. On va voir par là, peut-être. Oui, mais ça, c'est celui-là, c'est ça? Non, j'ai l'impression qu'il y en a un autre ailleurs. Si je repasse par là, ça nous emmène là. Peut-être qu'il faut remonter, hein. Ça c'est fermé. Ah! Ah bah oui, mais c'est ça. Non mais tu ouvres la porte, merci. Attends. Mais ça c'est le complexe de guerre. Ça nous a juste ouvert cette porte. Mais ça me dit toujours pas le complexe de guerre, mais c'est la sortie du complexe de guerre de toute façon. Mais ça m'aide pas tout ça en fait. On est toujours pas au bon endroit, ça me permet pas de débloquer ce truc là. Bon, au moins ça nous a permis d'avancer, mais je veux dire... Ça, j'ai rien d'autre là-haut. Non, j'ai rien d'autre. Hein. Bizarre ce truc. Alors ça, c'était de là qu'on venait. Attends, on va essayer d'aller revoir par là. Oui, non, ça, ok, c'était ce truc là. Ça nous renvoie tout en bas. Si je fais ce truc là, ça me donne la localisation normalement où se trouvent les trucs les plus proches, mais... Je pense qu'on les connaît déjà la plupart d'entre eux en fait. Je crois que ça me donne des localisations de trucs que je connais déjà, c'est ça que je veux dire. Vu que c'est des trucs que je connais déjà, je sais pas trop si c'est là qu'il faut que j'aille. Ouh, tiens, c'est fermé ici. J'ai oublié ce détail. Bon, on va essayer. Je vais essayer de réexplorer des endroits qu'on connaît déjà, c'est pas grave. Hein.
Le jardin botanique, est-ce qu'il y avait des choses nouvelles par ici? Non. Ça c'était fermé, oui, on y est passé tout à l'heure en plus. Je suis un peu bête. Et en bas à droite, il y avait quoi déjà? Non, ça c'est juste un accès, ok. C'est un peu tourné en rond là. Je vois pas de trucs qu'on a débloqué en plus dans le coin. Qu'est-ce qu'il y avait déjà en bas? Voilà, ça nous emmène ici, ok. Ça, c'était l'accès à la centrale, si je dis pas de bêtises. Alors, on a encore des trucs qui sont fermés par ici. Ah! Alors, peut-être que déjà, on peut ouvrir ça. On va voir où ça nous mène. Complexe de guerre, parfait. On a enfin trouvé. Désolé pour avoir un peu derpé pendant 5 minutes là, le temps de trouver où est-ce qu'il fallait qu'on aille. Bonjour toi. Ok, alors. On tente quoi? On tente là. Ah mais non, je pourrais pas faire mon contrôle mental là. Ouais, c'est un fucking lance-flamme, je m'en doutais. Charogne. Alors, possibilité de munitions militaires non explosées. Alors, je sais pas trop si je dois faire ça. On s'en fout. On verra bien. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça nous a ouvert du coup le passage par là. Écoute, on va essayer déjà. Ah. Ah ah. D'accord, alors. Et ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il me faut... Lui. Je vais essayer d'éviter de m'auto-tuer. Active-moi ça. Donc comme ça, il faut qu'il prenne l'ascenseur. Que je me déconnecte de lui. Attends. Ouais mais non. En fait, j'aurais pas dû le mettre en bas lui. C'était un peu con. Ah, je l'ai coincé. Parce que là, le problème. Hop là. Le problème. Ah, attends. Je sais. Je pense que je sais. Donc il fallait pas faire comme ça a priori. Si je lui fais activer l'ascenseur à lui maintenant. Comme ça l'ascenseur passe en haut. Je me déconnecte. Je peux descendre. Ah non! Mais non, il est tombé le con. Ah putain. Attends, il y avait personne d'autre. Attends, si je sauvegarde et que je récupère la biomasse, est-ce qu'ils reviennent? Je crois pas. Ah, attends, j'ai une idée. On va les attraper. Voilà, tu viens là. Non, reste. Non, mais le bouffe pas. Voilà, non mais... Voilà, laisse-le... Mais ah, arrête de le lancer n'importe où. Mais, ah! Non, pas là-bas non plus. Putain, c'est pas possible. Voilà, laisse-le là, c'est bien. Ok, donc comme ça, on se met là.
Non, je voulais pas me connecter à lui. Putain. Non, mais il me fatigue. Ça y est. Toi, tu vas venir ici. Voilà. Il me fatigue, les deux, là. Voilà, donc. On prend le contrôle du monsieur. Lève-toi. On active l'ascenseur. On se déconnecte. Oh putain, ça lui a coupé la tête. Non, même pas. Hop, ça me renvoie l'ascenseur. Ah oui. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était quoi ce truc? Oui, donc du coup forcément le passage est toujours pas bon. Arrête d'essayer de le bouffer. Mais putain! Ok, je pense que cette fois-ci on est bon. Voilà. Ah c'est bon, cette fois-ci c'est la bonne. Comment ça fonctionne ces espèces d'armes là-haut? Ah mais attends, je peux me faufiler là? D'accord. Ah, est-ce que désactiver ce truc nous permet de désactiver... Attends. Oh, ça nous ouvre une nouvelle porte. Ok. Alors peut-être qu'on n'a pas du tout besoin de passer... Le problème c'est que je pense pas que je sois assez rapide pour le passer lui. Attends, mais je peux juste le prendre l'ascenseur là, non? Oui. Ça a marché. Donc on peut aller par là. Ok, on va aller par là parce que j'ai pas envie de remourir de l'autre truc là-bas. J'adore l'autre, il est au chiotte, il réagit même pas, tu sais. Ok, alors on va partir à... Ouais, c'est pareil dans les deux cas. Ah ok, je peux utiliser ce truc là pour arracher ces trucs là aussi, ça paraît logique. Oh, ça marche ça. Ok, ah, attends, parce que oui, celui-là je peux pas... Oh si! Oh, putain, c'est vrai qu'on peut, on peut les pousser du dessous, j'avais oublié. Hop! Oh, il en faut 6 ici! Putain! Ça va être un sacré boulot, dis donc. Attends, ça m'a emmené où ça? On connaît déjà ici, non? Je peux déposer ma biomasse. A priori, si il me le dit, c'est que je dois le faire. Mais peut-être qu'il fallait que je dépose deux. Oula. Attends. On peut effectivement passer là. Mais ça, c'est un cul-de-sac. Donc, ça m'a fait déposer ma biomasse. Pourquoi ce truc? Ah! Ok, j'ai trouvé. Il faut que je puisse. Il faut que je la dépose deux fois du coup. Attends, c'était là? Ça. Voilà. Donc on redevient tout petit. Et comme ça on peut... Voilà, parfait. Alors je sais pas si j'ai besoin de la reprendre. On va avancer un peu déjà, histoire d'explorer. Ouh, on a des copains ici, dites-moi.
fallait peut-être que je prenne ma biomasse. Alors j'explore vite fait, on fait le tour. Histoire que je comprenne un peu quel est le layout de cette zone. Ok, est-ce que je peux choper ces trucs? Ok, a priori oui. Sauf que... Non, ça ouvre pas... Ok, ça nous a ouvert ça, donc déjà on va y aller. Contrôle mental. Téléportation. Il est pas activé le gros truc là-bas. On va se barrer parce qu'il y a trop de monde. Voilà. Allez, on reste là. Et ce sera parfait. Bon, je vais m'arrêter là du coup pour cet épisode. Ça nous fait un excellent point de sauvegarde comme ça. Deuxième point sur 6. Et du coup, au prochain, on pourra retourner en arrière et peut-être... sauvegarder le dernier checkpoint. Voilà. Et comme ça, au prochain épisode, on pourra essayer d'aller les affronter et de les défoncer. Donc merci à tous d'avoir suivi. Prochain épisode sera peut-être dans quelques jours parce que je peux enregistrer la suite tout de suite. Mais j'essaierai de l'enregistrer assez rapidement quand même pour que vous n'ayez pas trop à attendre. Donc merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt du coup pour la suite de ce let's play. Et merci à tous pour ceux qui n'oublient pas de mettre des likes. Et si vous n'aimez pas, ben, n'oubliez pas de mettre un dislike aussi. Voilà. Salut à tous.